Alors je vais essayer de vous commenter un petit peu cette action. Round 2, Le capteur est en train de sortir. On va pas tarder à commencer. Je vais faire contre le justement dans un bon jeu avec une grande exigence au niveau des ennemis qui a fait des choses. Je ne pas forcément à tout le monde, mais un jeu très très agréable aussi à part d'un petit peu. Série. Harry. Andy. Round 1. Allez. Allow me!
OK. Allez, je vais vous laisser, avec si quelqu'un veut commenter, je vais voir ça. Harry versus Yube. Hey, come on, come on. Donnez-moi une seconde. Je vais faire, ouais. Allez. Harry versus Duff. C'est parti, la grande finale. Oh là, ce stage qui défonce les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la disco années 80. Elle a des mains, des combos faits. Donc forcément, c'est les deux mecs qu'on attendait dans la finale de ce tournoi aujourd'hui. Parkster qui était un peu la surprise. Allez, ça se passe top dans les plans de jeu. Allez, ça revient sur le banc, ça touche pas grand chose. Gros zoning, putain, il a perdu un poussin. Ok. Allez, je trouve ça, ce personnage, c'est assez dégueulasse. C'est assez surprenant que Animal prenne le premier round aussi facilement parce que c'est quand même le fait le mec qui a survolé le combo winner sans problème. Je suis dans les 2-0. Pour le moment, ben voilà, il fait ça, il fait son jeu. Allez, bon, c'est maintenant, on va laisser Animal respirer là, le fait du bien, ça pousse complètement. Encore un bon dragon là. Et sur le jeu du changement de plan, il reste ce dernier plan, c'est pas mal. C'est vrai qu'on peut taper hein, si on change de plan. On se rejoint l'adversaire. On va chercher le pixel, c'est sur le pixel. Distance petit, attention maintenant, le moindre grattage sur Duck. Allez, un petit power wave là, ou un petit rush punch là. Ouais, il se fait bien presser, attendez, il faut à la chope, attention. 10 secondes. Ah, ça essaie de gratter. Ça a bien évité là, de la part de Combo Fett, il a évité le grattage. Ah non, ce dragon sur 1-0, faut chercher. Bien joué, victoire de Daneman, 2-0. Le time over. Allez, faut que Daneman il remporte 4 matchs au total. Pour remporter ce premier ranking sur Fatal Fury Special. Mais ce stage, ça fait mal aux yeux, c'est horrible. C'est les boss. Allez, beaucoup plus de dragons hein, quand même du côté d'Aneman. Les punitions sont vraiment sympathiques hein, de la part de Mofet. Mofet de la gentillesse. Allez, c'est aussi le backdash un peu d'Aneman. Backdash complètement invincible, hein, juste avec au recover. Pratique pour passer à travers les boules ou éviter du crossing comme il vient de le faire. Vas-y, t'as quelle à cette distance, je trouve que c'est assez. Il y a un petit peu de difficulté quand même, même s'il essaie d'imposer un espèce de rythme à Combo Fett avec quelques attaques. C'est dans la garde.
toujours dit, c'est toujours trouver un joueur, d'essayer de rejoindre l'adversaire, de changer de plan. De passer sûr de soi. Et non, malheureusement, même avec le timing, on est même de ne pas revenir dans le round. C'est déjà le deuxième timeout pour 3 rounds. Allez, les combos. Ah, dommage, la c'est vrai que c'est pas le jeu, hein. Si vous tapez dans le jeu de l'adversaire, en fait, tant que vous mettez en hitstun, il n'y a pas de problème. Donc, par contre, à la fin du hitstun, il y a des frames de retournement du personnage. Et en fait, c'est comme si ça rajoutait du hitstun à la fin. C'est assez fort. J'ai des phases de combo dans le dos après le hitstun, notamment. Et après les cross-up. Allez, bien joué, c'est Aleman. Il s'offre une balle de reset là, balle de reset pour Aneman. Elle peut le faire hein, Aneman. Allez, l'ouverture est tout ce que possible. Bien, ça va être bon. Comment on fait. C'est parfait d'Aneman, une shot, allez le pressing. Continuez, il ne faut pas laisser Doug reprendre de l'avantage éventuellement. Il a la super maintenant. Dans ce jeu, vous avez la super capacité. Et c'est un reset. Et c'est un reset d'Aneman, bien joué. Dans ce premier ranking sur Fatal Fury Special qui tient toutes ses promesses. On avait 14 participants, c'est bien. Bien pour un jeu un peu obscur, très codosé finalement à Lyon. Et comme quoi même les jeux qui ne croient pas doser, bah y'a des mecs. Il faut faire pour Aneman qui montre sa forme. On va revenir demain quand même Aneman, parce qu'il a déjà été sorti dans l'arbre de l'univers par Sparkster. Et il a réussi au final à se venger dans le film de loser. Il n'y a pas de garde là-dessus, là, dans le premier round. Ok. Ah non, pardon, c'est Combo Fate qui n'est pas la garde. Et Aneman qui se prend déjà un premier round dans ce reset de bracket. Et on espère effectivement voir les joueurs du sud-ouest ce jeu. Quand ils ont leur événement. Certains qui passeront d'ici la fin de l'année, on va mettre Fatal Fury spécial en rencontre. Pendant encore. On passera à l'Asbeth 2. Et encore une victoire d'Aneman. Hein. Il a du mal à trouver la bonne réponse, Combo Fate. Il est aux portes de remporter son premier ranking lyonnais. Là, il y a 1-0 Aneman après reset. Reset Aneman a reset le bracket. Et là, il y a 1-0. Et Combo Fate qui revient à son dock. Allez, faut pas qu'il craque, il sait qu'il a largement tout ce qu'il faut dans les doigts pour le match. Faut pas qu'il fasse le fou. Je suis posé, voilà, je suis posé en entier, là. Je suis en entier, c'était parfait. Dommage, encore un dragon. Combien c'est le dragon là dans ce match à Aneman, c'est parfait. Il est dans la tête de son adversaire, en tout cas, c'est sûr. Et il est à deux doigts d'avoir la balle de match, la balle de tournoi même. Le ranking point. Ça serait gratte, il n'est pas encore au zéro vital, hein, Doc King. Et par contre, là, il se prend un saut vertical, le LK, si je ne me trompe pas. Ok. C'est bien joué, ça. Allez, balle de match, Aneman. Allez, Ronan, lâche rien. Testable sur le ouais, ce petit pied, ce petit point anti-dragon, c'est parfait de la part d'Aneman. Malheureusement, il est trop peu combo là, Combo Fate.
Et bon, ref, quand je prends la garde encore une fois du côté de mon prophète, c'est dramatique. On va sûrement le. Oh, bien sur ce vertical HK, parfait. Allez, il va sûrement concéder le round quand même à Neyman, à moins d'un. À moins d'une furie, à moins d'un truc fou. Oh, ce black dash qui évite la roll. Attention au dragon roll là, c'était chaud. Et bien joué la gratte. C'était chaud là, ils ont fait du beau spectacle sur ce round. Wonderful. Black Dash à ma cible n'a pas suffi, mais c'était très très bien vu, très bien pensé. Et bien, la bonne shot, et maintenant le précis. Allez, bon avantage à l'énergie, il y a quand même pas la main maintenant, attention à pas s'énerver, c'est quand même deux joueurs assez nerveux qui on sent bien bien chaud et ils sont capables de faire un crack dash, de faire un match. Oh, bien joué de hit. Allez, confirme ça, le Kitsune est tellement bien, le Kitsune dans le jeu, c'est effrayant. Allez, la victoire de Neyman, bien joué. Bravo à Neyman, premier champion sur Fatal Fury spécial. Allez, on va couper la vidéo quelques secondes, le temps de mettre en place le prochain jeu de tournoi, ça va être 3.3.